Eh bien, salut les petits potets, petites sœurettes! Comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo! Alors, ce soir, c'est la Ligue des Champions, je tords le même joueur que la Ligue des Champions. Je pourrais pas la regarder déjà, parce que je bosse de 19h à 22h, et je suis en inventaire. Kevin a enfin trouvé du travail. Kevin n'est plus chômeur. YouTube, ça paye pas! Tu veux qu'on fasse quoi? Non, je rigole. Là, YouTube, j'ai rien contre. Du coup, aujourd'hui, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager, à liker avant que cette vidéo commence, quand même. Mon petit pote! Aujourd'hui, nous se retrouvons pour une nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai commencé YouTube déjà? Pourquoi? Pourquoi? C'est une très bonne question. J'ai eu un truc comme ça sur un live un jour. Et il m'a dit pourquoi t'as commencé YouTube? Et je m'en suis souvenu. Bah, là, ce matin, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo? Eh oui. Alors, moi, pourquoi j'ai commencé YouTube, tu vois? Je suis un enfant comme tout le monde de la génération YouTube. De Bill, tu vois, tu connais. Et bah, je me suis dit pourquoi pas commencer YouTube? Parce que, en fait, tu vois, avant, je regardais Squeezie. Tout le monde regarde Squeezie, c'est le PewDiePie français. Eh oui, le meilleur YouTuber de France, au niveau nombre d'abonnés, et à mon goût, un des meilleurs. Après, je regardais beaucoup Squeezie, Gotaga, puisque depuis qu'il a fait le Master Kill et le Rumble, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, il faisait Rumble, je sais pas s'il fait encore. Je regardais ces deux-là, tu vois, personnellement. Après, il y a un petit peu de GameX13. Tu vois, tu connais les bails. Un peu de GameX13. Et après, il y a eu plein d'autres, genre Valouz, la team Crouton, Valouz, Michou, Inox, Le Bouzeux. Je regarde plus Valouz, Le Bouzeux et Michou. Inox, je le regardais beaucoup au départ. Désolé pour toi, si tu passes par là, Inox, mais je pense pas que tu passeras par là. Mais en vrai, tu fais des bonnes vidéos et tout. Des vraies bonnes vidéos. Mais à chaque fois, je suis obligé de regarder tout le monde. J'oublie tout le temps les vidéos. Même des fois, je regarde pas les vidéos de Le Bouzeux. Ni de Valouz, ni de Michou. Des fois, je viens sur le live et tout, de Michou et tout ça, je suis tranquille. Pas avec Michou, hein, par contre. Attendez, on va bouger un peu de place, parce que le contre-jour, voilà. Et ça me fait plaisir, en fait, de faire ça. Voilà, je regardais ça. Squeezie, bah, en fait, Squeezie, c'est mon exemple pur. Bah, pas en ce moment. Mais Squeezie, pour commencer YouTube, je me suis dit, c'est un rêve. Pourquoi pas faire comme lui, tu vois? Je voulais être monétisé, loué. Mon métier, je voulais être youtubeur. De base, je devais être routier. Je suis routier. Et là, depuis mon accident, bah, je ne conduis pas, parce qu'il faut que je repasse une visite médicale. Et avec le Covid et tout ça, les médecins sont pas trop d'accord. Et comment ça s'appelle? Et je me suis dit, quand j'étais petit, j'étais encore au collège, genre j'étais en 6ème, 4ème. Avant, je regardais pas YouTube. Je vous confirme, je regardais pas YouTube. En fait, nous, on commence à regarder YouTube. Bah, je sais pas si c'est pareil de ma génération, mais on a commencé à regarder YouTube en 6ème, 6ème, 5ème. Et franchement, je me suis dit pourquoi pas se lancer. En vrai, avant, c'était un dare, gamin. Regarde maintenant, je tiens ma chaîne depuis 2014. J'ai pratiquement 1300 abonnés. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup. Moi, ça me suffit, les mecs. Ça me suffit, 1300 abonnés. Après, si je dois percer, viser les 10K, les 100K, les 1 million, un truc que je pense qui m'arrivera jamais, c'est les 1 million. Les 100K, ça peut être difficile, mais on peut y arriver parce que je compte sur vous pour la partager. Les 10K, c'est vachement faisable. Moi, j'aimerais bien avoir 10K sur ma chaîne. Voire 10K au lieu de 1293 abonnés. Il dit, ça suffit, mais non, mais en vrai, 10K, j'espère. En gros, moi, les vidéos, je les ai commencées. Tu vois, regarde, il y a des lives. Je suis sur Twitch. J'ai 1000 abonnés, 1000 followers sur Twitch. 1000,1 followers. C'est-à-dire, j'en ai 1100. J'ai 1K, 1,1K. Ce qui me fait plaisir. J'ai autant d'abonnés sur Twitch que sur YouTube. Et regarde, sur Twitch, je fais du Among Us. Vous êtes présents. Sur YouTube, je fais du Rocket League. Vous êtes présents. Je faisais du Fortnite. Vous étiez présents. Je faisais du Call of Duty Modern Warfare! Ça, vous connaissez? Eh bien, aujourd'hui, c'est Skyros. On se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare! Désolé, Skyros, si tu passes pas là, mais je t'ai obligé. Parce que Skyros, c'était un grand exemple aussi. C'est un des premiers youtubeurs avec Squeezie et Gotaga que je regardais. C'est quand il y avait encore Headshot Biatch. Je regardais ça, il était sur Battlefield 4, il avait des insultes à fond. Je me rappelle quand il insultait son voisin et tout, avec son coui 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 coui, avec son petit jouet là, je me rappelle. Je suis là depuis le départ. Et franchement,
Ça fait rire. Mais voilà, c'est des youtubeurs, des grands youtubeurs que je kiffe. Par contre, vous venez dire, vous regardez, t'as jamais regardé Cyprien, t'as jamais regardé McFly et Carlito? Les gars, McFly et Carlito, je les regarde. Si c'est plus deux ou trois fois par mois, je les regarde. Après, Cyprien, j'ai toujours regardé avec Squeezie. Ce Cyprien, j'ai regardé beaucoup Mister V aussi. Ibik. Mais maintenant, j'écoute trop ses musiques. Ibik, il. Mais en vrai, je kiffe cette vidéo. Je kiffe tout. Je kiffe YouTube en fait. En fait, c'est. Si vous ne comprenez peut-être pas, nous. Vous dites, ouais, vous passez vos vies sur YouTube et tout ça. Vous faites rien de vos vies. Mais nous, en fait, sur YouTube, en fait, ça nous permet de nous libérer de quelque sorte nos mauvaises journées, tu vois. Même quand j'ai fait une mauvaise journée, j'étais pas moralement. Bah, je faisais du YouTube. Je faisais du live YouTube. Et avec vous, on rigole, quoi. Parce que j'en sais, j'en ai certains qui rigolaient sur mes lives, qui me donnaient de sourire. Je me disais le soir, quand j'allais me coucher, après un live, bah, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez le Fortnite, on faisait du 21h, 2h. Si c'était pas 3h, c'est du 21h jusqu'à la boutique. Après, on continue un peu, je pense. Parce qu'on faisait du best fun. Et après, quand j'arrêtais le live, quand je vous disais au revoir, je vous remerciais toujours quand je vous disais au revoir. Mais après, quand j'allais dans mon lit, je disais, c'est bon. Ça m'a libéré, ça m'a vidé en fait, tu vois. Je préfère jouer aux jeux vidéo en live avec vous que là, même ma console n'est même pas allumée. En fait, je joue l'après-midi, bien sûr, je joue toute l'après-midi. Ce soir, il y aura le live à 22h, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. À 22h30, 23h, je vous rassure, il y aura du live Rocket. De toute façon, je pense que je vais live jusqu'à 2-3h du matin. Et voilà. Mais en vrai, je préfère jouer aux jeux vidéo avec vous, en live, qu'avec nous. Ouais, parce que du coup, ce soir, je vais rater l'événement Fortnite. Et ça, je suis day. Ça se j'ai téléchargé Fortnite pour vous. Du coup, bah, il y a la nouvelle mise à jour. Alors, du coup, on découvrira la saison ensemble demain. Je pense qu'on découvrira la saison. Attends, saison 5. Demain, j'espère bien qu'elle sera bien. J'espère que vous nous enlevez cette putain de map de merde. Tu vas nous remettre le chapitre 1 parce que j'étais bien sur le chapitre 1. J'arrivais dans les. Dans saison 9. Ouais, c'est dans les deux dernières saisons, je crois. Et après, j'ai arrêté Fortnite pendant un bon moment quand même quand je regarde. Hein. Saison 9, saison 10. J'ai fait saison 9, saison 10 et après j'ai arrêté Fortnite pendant un bon moment. Même la console d'ailleurs, j'ai arrêté ça pendant un bon moment parce qu'après j'arrêtais pas de sortir et tout ça. Mais franchement, je préfère regarder YouTube en fait, pour moi ça me libère. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Et depuis que j'ai vu que ça me libérait, je suis moins timide à parler à une caméra avec vous, pour 1300 abonnés, alors que devant moi, par exemple, hein, je donne un exemple, je vais avoir une fille que je connais pas ou un garçon que je connais pas, vous n'allez jamais m'entendre parler. Je suis timide de ouf en vrai, mais là sur YouTube, je sais pas, on dirait pas la même personne en fait. On dirait que bah, je suis pas timide. En fait, je dirais que je me libère avec vous. En fait, je vous explique ma vie. C'est pas comme j'hésiterai à vous envoyer un message et tout ça. Vous pouvez venir me parler dans mes DM en me disant que vous êtes des abonnés à moi, je vous parlerai. Mais je serais gêné puisque il y a déjà un abonné qui est venu me parler en vrai dans ma ville, dans trois si vous voulez. Qui me dit je te connais et tout, t'es Kevin et tout. Mais je fais oui. Frère, je suis peu connu. On m'a déjà demandé je suis peu connu, je suis pas connu, on va dire. J'ai 1000 abonnés, tu veux pas être connu avec 1000 abonnés. Et il m'a demandé une photo. Je lui dis bah vas-y, pourquoi pas. J'étais gêné parce que 1000 abonnés, le petit abonné m'a demandé une photo. Il avait 11 ans, le gamin. Si tu passes par là, mon petit pote, dédicace à toi. Et bah, c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Mais ça fait plaisir en fait d'être avec vous. Même là, des fois, vous croyez que je lis pas vos commentaires. C'est pas parce que je réponds pas que je lis pas vos commentaires. J'aime bien passer des heures à lire vos commentaires, les gars. Là, sur la vidéo Bogdan, tous les jours j'en ai un, tous les jours je le lis. Je le lis, j'essaie de mettre un petit like. Regardez, vous allez sur la vidéo Bogdan, si vous ne croyez pas que j'ai lu mon commentaire, il y a un commentaire épinglé. Donc voilà, déjà ça. Et ça fait plaisir d'être avec vous, les mecs. Avec vous, les petits potes.
Voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. Déjà pour. Attends. C'est quand j'ai baillé, j'ai les yeux qui pleurent. Non, c'est pas une mauvaise vision. J'aime bien. J'aime bien YouTube, tu vois. J'aimerais bien que ma communauté s'agrandisse. J'aimerais bien être beaucoup plus payé par YouTube. Parce que des fois, des mois, je suis pas payé. Et. J'aimerais bien. J'aimerais bien être référencé. J'aimerais bien que l'algorithme de YouTube charge, bordel de merde. Qu'elle nous mette des petits youtubeurs en avant plus souvent. Ça arrive des fois. Mais j'aimerais bien que YouTube nous mette. Bref. Qu'il nous fasse une tendance spéciale petit youtubeur. Tu vois. Par catégorie. Par région. Non, je rigole. Ça serait trop grand. Mais une tendance petit youtubeur. Genre, tu fais une tendance. Hop, tu mets 5000 abonnés. Maximum, une tendance petit abonné. Ce 5000, après c'est trop. Après c'était quoi, YouTubeur? De 0 à 5000. Et là, il y a tous les petits YouTubeurs, du coup. Tu nous trouveras. Tu vois? Vous nous trouverez. Voilà. Et ce serait cool ça. YouTube là. C'est moi, YouTube, c'est un peu comme mes patrons. Tu vois, je suis obligé de respecter leurs règles. Ne pas les insulter. Ne pas me mettre tout nu en vidéo, tu vois. Genre ça, je peux pas. C'est comme dans la vraie vie, dehors, je peux pas. Et bah ça me plaît de faire YouTube, franchement, ça me plaît d'être avec vous. Je vous remercie vraiment. Et bah j'espère que cette vidéo vous plaira, parce qu'on va se terminer là-dessus. Sur ces deux derniers mots, je vous aime les gars. Je vous aime. Pas en amour, hein. Je vous aime. Dans mon cœur. Alors donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes avec la petite cloche, bien sûr. Bah, un petit pote si t'es nouveau. S'il y a beaucoup de gars qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, parce que sinon ça ferait longtemps que je suis à 5000, hein. Je vous rassure, parce que vous avez vu la dernière vidéo de The Crew 2 de gagner, comment gagner de l'argent rapidement. J'ai 4000 vues, mais j'ai gagné 0 abonné. Bon, c'est pas grave. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Et salut. Peace.